L'hôpital Victoria à Candos, c'est ici la seule banque de sang de Maurice. Les pintes de sang stockées sont acheminées vers d'autres établissements hospitaliers ou autres centres de santé privés. Notre équipe a rencontré la responsable de la banque de sang, le docteur John Kisonu. La banque du sang existait à cause que toute une population est venue faire don du sang. Et une fois qu'il y a donné une finie de du sang, là, dans ce centre-là, côté nous était, nous faisons tous les autres processus avec ça du sang-là. Mais il est très, très important parce que c'est ce starting point pour une blood transfusion service et blood donation. Maurice compte environ 4200 donneurs bénévoles, soit 2,5% de la population qui fait don de leur sang régulièrement. La demande de sang ne cesse d'augmenter à Maurice et la banque de sang se fie aux collectes de sang qui se font à travers l'île. Comme en cette journée, ils sont 5 clubs du Rotary qui ont uni leurs efforts pour venir en aide à la banque de sang. Soit le Rotary de Maubassin-Rosil, celui d'Ébène, de Quatre-Borne, de Tamarin-les-Salines et de Phoenix. 2 caravanes en 2 endroits pour recueillir le maximum de pintes de sang, à Rosil et à Bagatelle. Nous ferions un petit peu plus grande envergure qu'on a collecté un peu plus de sang, comme nous sommes au courant que l'hôpital toujours nous gagne manque de sang. Tout le temps. Comme nous connaissons toujours, Pémoc disant pour un accident, pour un. Quand il y a beaucoup qui ont la thalassémie, chose qui besoin faire un blood transfusion, nous connaissons qui veut besoin faire un disant là. La santé, c'est un des axes stratégiques du Rotary International et dans les autres, comme l'alphabétisation. Donc ça permet de nous rapprocher avec la population. Pour nous, c'est une grande affaire si nous faisons le maximum mieux pour collecter maximum pintes de sang et ça pour aider Blood Bank et pour aider la population de Maurice. Les Mauriciens ne sont pas restés insensibles à cet appel. En tant que président de l'Interac du Collège de la Confiance, il y a moi et le club qui sont venus pour donner un coup de main au Rotary. Moi, une donneur et donc je connais pourtant, je connais sur l'impact qu'il y a et bon, je pense qu'en faisant une bonne action, je sauve une vie. Je suis Rotarien, donc. Un poste président, donc sur celui avec mes amis rotariens. Un pain de sang peut sauver une vie. Un geste noble qui permet de sauver des vies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 93 millions de pintes de sang sont collectées à travers le monde.